c'est plus ce qui caractérise mon travail, c'est plus une démarche qui est de laisser venir des formes neuves qui ont un petit peu les mêmes caractéristiques que des formes figuratives ou des compositions figuratives, mais qui n'en sont pas. Ce que je cherche au fond, c'est des images qui aient un petit peu la même nécessité, simple, lumineuse, que des paysages, que des scènes, mais qui ne sont pas à prétention représentative. Voilà. J'essaye d'être là, moi, quand je démarre quelque chose, ça veut dire de ne pas me fixer d'objectif, quel qu'il soit, de ne pas avoir de plan. Pour moi, il y a une large part de choses que je maîtrise pas et que je ne sais pas. Au moins les premières touches, les premiers choix. Mais ensuite, il est clair qu'il y a des choses qui s'imposent là pour le coup. Peut-être bien qu'au départ, c'est aléatoire. Mais rajouter une couleur, c'est jamais neutre. Hein. Et ça crée à la fois des équilibres et des déséquilibres, et que je suis dans cette recherche-là, de ce qui va faire, pour finir, équilibre, dans des glissements qui sont à la fois progressifs et qui sont quelquefois brutaux, et qui tout d'un coup amènent à revoir tout l'ensemble. Dans mon travail, en tout cas, ce que moi je cherche, c'est d'atteindre ces moments où tout d'un coup il y a quelque chose qui émerge, qui vient, qui s'impose à moi-même, au moins autant que moi je contribue à le faire naître. Thank you.
j'aime beaucoup multiplier les gestes techniques. J'aime gratter, j'aime effacer, essuyer, humidifier, c'est vrai. J'aime beaucoup jouer avec toutes les propriétés de la matière et puis voir ce que ça produit sur la surface de la toile. Je crains toujours de me laisser capter par des images qui peuvent émerger au départ de mon travail, mais qui pourraient être réductrices. Et donc, en tournant la toile, je garde l'essentiel pour moi du travail, mais j'en viens à un réaménagement pictural de l'ensemble de la toile dans les diverses interprétations possibles. Et ça m'est précieux pour éviter de tomber dans des images, des modèles qui seraient trop prégnants et qui m'empêcheraient précisément de m'avancer vers d'autres univers, vers d'autres images plus complexes. En fait, je n'ai jamais d'inspiration en dehors de celle qui me fait me déplacer vers la toile pour poser une touche. Là où je cherche mon inspiration, c'est dans cette espèce d'impulsion qui me fait aller au-delà de la première touche pour aller à la seconde, à la troisième. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'incantation que d'une démarche représentative. Thank you.
pense qu'il y a des moments où je ne vois plus ce que je suis en train de faire. J'ai une vision qui est perturbée, ne serait-ce que par cette espèce de tension dans laquelle je me mets pour travailler, qui fait qu'à un moment donné, je ne vois plus rien. Je suis incapable de juger de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai besoin dans ce cas-là de trouver un autre terrain de jeu pour revenir à la première avec un regard neuf, un regard qui va rendre la surprise possible en réalité. La toile tendue, c'est une toile qui est homogène, dont la surface est homogène. Et elle n'a pas d'histoire. Et il faut lui en créer une. J'aime bien prendre une toile non tendue et me servir précisément de plis que je lui imprime pour lui donner d'emblée un caractère. Enfin, lui donner, c'est pas tout à fait moi qui lui donne, puisqu'il y a une bonne part de hasard. En réalité, je les travaille au sol le plus souvent au départ pour avoir un contact avec elle qui est un peu celui qu'on peut avoir avec un objet et pas avec un support abstrait quoi. Et ça, si tu veux, c'est pour moi un peu la première opération par laquelle elle se met à acquérir une individualité avant même qu'elle devienne un objet visuel. J'ai besoin d'avoir des lignes de force, des plis, des brisures, des rythmes qui n'ont pas forcément tout de suite d'effet visuel majeur, mais sur lesquels je vais pouvoir construire ma composition et je me laisse porter un petit peu par ce qui commence à émerger. Et là, je suis dans un espèce de ballet à partir de là. J'avance et je recule, aussi bien par rapport à la toile elle-même, que par rapport à ce que je fais sur la toile, c'est-à-dire je précise des choses et puis je reviens en arrière quelquefois parce que j'ai le sentiment que j'amène trop de choses projectives de moi-même et que je ne laisse pas assez de liberté à la toile d'être ce qu'elle peut être elle-même. Comme espace projectif un peu plus ouvert que ça, et ouvert à la sensibilité des autres notamment. Thank you.
quand je suis tout près de la toile, je peux oublier la toile dans son ensemble. J'en ai qu'une vague notion. Je perçois un endroit particulier où je peux m'évader. Et en même temps, j'ai besoin, très souvent quand même, de faire travailler mon regard, au fond comme tremplin du rêve, pour pouvoir voir à la fois l'effet de ce que mes dernières touches ont pu produire sur la toile, mais pas seulement sur l'endroit que j'étais en train de travailler, mais sur la totalité, mais aussi pour trouver d'autres échappatoires. Je parle d'échappatoires parce que j'ai le sentiment que le réel, ou du moins des formes convenues du réel, peuvent sans cesse menacer mon travail. Et j'ai besoin de trouver des échappées. Et ces échappées, je peux les trouver dans le détail, où au fond, je me laisse aller vers des rêveries picturales, mais qui concernent que cet endroit-là, ou bien, quand je me recule, là aussi, je quitte éventuellement l'espèce d'obnubilation que je peux avoir sur le détail, je la quitte en prenant du champ, et là, j'ai un autre tremplin pour d'autres rêves. Tableau acquiert une espèce de personnalité assez vite qui, au fond, n'est pas simplement le produit des caprices du peintre, mais une espèce de nécessité interne qui petit à petit s'impose de façon de plus en plus forte à celui qui travaille. Je vérifie très vite sur l'ensemble de la toile l'effet d'impulsion qui ont pu me venir alors que j'étais en train de travailler un détail. Et ce qui amène des fois des bouleversements, des remaniements très, très rapides. Et la rapidité, c'est aussi pour ne pas perdre le fil. Mais c'est plus que le fil, de ne pas perdre le désir d'un remaniement général. Et le temps peut me faire oublier ça et peut me faire perdre ce désir de changement. Parce que je crois très fort que c'est dans l'impulsion, dans cette espèce de nécessité qui tout d'un coup s'empare de moi, qu'éventuellement des choses neuves peuvent advenir. Voilà. Thank you.
je ne suis pas dans un rapport avec un modèle, avec des images préalables, avec des présentations. Je suis dans un rapport avec une toile. C'est la toile elle-même qui m'appelle, qui me guide, qui me demande d'intervenir, de poser des choses, de la transformer. Et je me mets à l'écoute de ça, de ce qu'elle demande, de ses appels. Et ces appels, ils sont à bas bruit. Il faut que je sois très attentif pour moi, pour y répondre. Et il ne faut pas que je perde ce fil. Sinon, tout d'un coup, je ressens une fatigue terrible et il faut que j'arrête, quoi. Mais je ne travaille pas avec, si tu veux, une démarche où les opérations successives sont posées, où je peux me dire, bon, ben, j'ai fait ça, je passe à autre chose. Donc je suis en tension permanente. C'est ce qui fait que je suis très crevé après.